سيدتي سادتي الأساتذة وإخوتي أخواتي أشكر جمعية الإيغواد لهذه الفرصة لزيارة بجاية وللتفكر في موضوع التسوف اخترت أن أتناول فكرة العرفانية للأمير في المواقف لأنه من ورث هذه الثقافة العرفانية من ابن عربي فهو يذكر ابن عربي وكما هو معروف ابن عربي نفسه كان على لقى روحي بمدين شعيب إذا لسنا خارجا عن موضوع هذه الملتقى لأن ما أتى به أبي مدين فهو ورثناه ومن الذين أعطونا تلك الفكرة الصوفية هو الأمير عبد القادر في كتاب المواقف. اخترت أن أقرأ بعض الأفكار باللغة الفرنسية ثم باللغة العربية مستعملا النص لعبد الباقي وهذه هذا النص نشرته المؤسسة مؤسسة الأمير عبد القادر. طبعا أنا أستحي لأنني لست على مستواكم من العلوم العربية والإسلامية لكن أريد أن أبين على أن واحد مسيحي إذا كان يقرأ شيء من التراث الروحي العربي يمكنه أن يستفيد منه فاخترت في كتاب المواقف بعض الأفكار التي كانت لي مفيدة. Le premier de ces thèmes, c'est celui, c'est la façon dont l'émir nous communique ses méditations. À chaque fois, il part d'un verset du Coran et ensuite, c'est à partir de cette méditation sur ce verset qu'il propose sa propre méditation. Je vous donne par exemple ce qu'il dit dans la toute première Mawqif, le Mawqif Mawqif. هذه الآية الكريمة تلقيتها تلقيا غيبيا روحانيا فإن الله تعالى قد عودني أنه مهما أراد أن يأمرني أو ينهاني أو يبشرني أو يحذرني أو يعلمني علما أو يفتيني في أمر استفيته فيه يلقي إلي ما أراد بإشارة آية كريمة من القرآن ثم يردني إلي فأرشى بالآيات قرير العين ملآن اليدين ثم يلهمني ما أراد بالآية وأتلقى الآية من غير حرف ولا صوت ولا جهة وقد تلقيت والمن لله تعالى نحو النصف من القرآن بهذا الطريق وأرجو من كرم الله تعالى أن لا أموت حتى أستظهر القرآن. Donc vous voyez que chacune des méditations de l'émir part d'un verset coranique et quelquefois d'ailleurs c'est à plusieurs reprises que dans sa réflexion un verset lui est suggéré par l'Esprit de Dieu et qu'il renouvelle ainsi cette réflexion. Par exemple, dans la Mawqif 83, « Thumma ja'altu azkuru Allah ta'ala fa su'iktu »
surtout, il est illuminé tout d'un coup, il est bouleversé par cet appel de Dieu, qu'al oula, fa'urada alayya qawluhu ta'ala, thumma yaqul, thumma tawajjahtu azkurullaha ta'ala, fa'su'iktu aydan, fa'ulqiya alayya qawluhu ta'ala, udkhulu bi salamin aminin. فلما رجعت إلى حسي حمدت الله تعالى على تكرار البشارة ثم توجهت إلى الذكر أيضا فصعقت فألقي علي قوله إلى آخره. إذن كان هذا أول ملاحظة la réflexion de spirituelle de l'émir elle s'appuie continuellement sur les versets coraniques qui sont la nourriture de sa méditation. Alors après, je vais prendre des versets qui sont sur deux thèmes, si vous voulez, l'approche du mystère de Dieu et l'approche du mystère de l'homme. Dans l'approche du mystère de Dieu, eh bien, il y a d'abord les différentes faces de Dieu qui sont en nombre illimité. Les faces qui sont évoquées ici sont celles de Dieu. Il s'agit de ses noms. Si les noms divins sont appelés les faces de Dieu, c'est parce que c'est par eux exclusivement que Dieu se manifeste à sa création. Or, les faces de Dieu, c'est-à-dire ses noms, sont illimités et nul ne peut les circonscrire. Voilà ce qu'il dit à ce sujet en arabe. « Wujuh al-haq ta'ala hiya asma'uhu » ونسبه سميت نسبا من حيث أنها لا موجودة ولا معدومة وسميت أسماء لأنها تدل عليه دلالة الأسماء على مسمياتها ووجوه الحق تعالى أعني أسماؤه لا نهاية لها ولا يحاط بها. Autrement dit, ce mystère de Dieu, il s'approche de nous par une multitude de grandeur de Dieu que nous ne saurions en aucune manière dominer et qui dépasse toute possibilité de compréhension humaine. Et à ce point de vue-là, il dit ceci, si tu penses et tu crois que Dieu est ce que professent et croient toutes les écoles de l'islam, sache qu'il est cela et qu'il est autre que cela. Si tu penses et tu crois ce que pensent les connaisseurs par excellence, sache qu'il est cela et qu'il est autre que cela. Nul ne le connaît sous tous ses aspects et nul ne l'ignore sous tous ses aspects. Voilà, si vous voulez, ce qu'il nous dit et qu'on peut aussi retrouver dans son texte même. ونحو هذه من آيات خطب بها تعالى كل من بلغه القرآن الكريم والكلام القديم الكلام القديم يعني التوراة والإنجيل من يهودي ونصراني ومجوسي ووثني وصنمي ومنوي وغيرهم من الأجناس والأصناف المختلف العقائد والمقالات في الحق تعالى أخبرهم أن إلههم واحد وإن اختلفت مذاهبهم وعقائدهم فيه فهو واحد العين ولا يلزم من اختلافهم فيه اختلاف في عينه يعني الاختلاف بين المذاهب فهذا لا يعني اختلاف في ذات الله نفسه فإنها كالأسمى له. Deuxième thème sur ce mystère, l'approche du mystère de Dieu. Dieu, le trésor caché, dont la connaissance échappe à l'intelligence humaine. Voici ce qu'il nous dit. Kuntu kanzan marfiyan lam u'raf, fa'ahbabtu an u'raf, fa'khalaqtu l'khalq, wa ta'arraftu ilayhim. فبيعرفوني فما خلقهم إلا
فَمَا خَلَقْتُهُمْ إِلَّا لِيَعْرِفُوا فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْرِفُوا الْمَعْرِفَةَ الْفِطْرِيَةَ الَّتِي فَطَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا فَالْحَقُّ مَا جَهْلَهُ أَحَدٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّمَا تَفَاوَتْ مَعْرِفَتُهُمْ لِتَفَاوَتْ عُقُولُهُمْ وَإِنَّمَا تَفَاوَتْ عُقُولُهُمْ لِتَفَاوَتْ إِسْتِعَادَاتُهُمْ وَالِاسْتِعَادَاتُ لَا تُعَلَّلْ لِأَنَّهَا قَدِيمَةٌ غَيْرَ مَجْعُولَةٌ فَهِيَ فَيْضٌ قُدْسٍ. Voilà, si vous voulez, un deuxième thème sur ce mystère de Dieu. Et ensuite, un troisième thème. Toute religion adore Dieu, mais chacune à sa manière. Il est évident que j'ai retenu dans les thèmes de l'émir ceux qui m'étaient proches, et en particulier ceux qui donnent une place aux autres traditions religieuses. Alors, c'est ce qu'il dit dans ce texte. Il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, même si ses manifestations sont de différents genres. En effet, la divinité se manifeste aux disciples de Mohammed de façon absolument indépendante de quelque forme que ce soit. Elle se manifeste aux chrétiens de façon conditionnée dans le Messie et dans les moines. Elle se manifeste aux juifs dans Al-Uzaïr et chez les rabbins. Elle se manifeste aux mazdéens dans le feu et aux dualistes dans la lumière et les ténèbres. Par conséquent, le but de l'adoration est unique chez tous ceux qui l'adorent. Ça, c'est une idée qui revient souvent chez lui. Les hommes sont différents par leur tradition, mais celui qui est l'objet de leur recherche, de leur religion, c'est le même, c'est le mystère de Dieu. وَإِنْ تَبَيَّنَ تَجَلِّيَاتُهُ ما بين إطلاق وتقييد وتنزيه وتشبيه وتنوعت ظهوراته فظهر للمحمديين مطلقا عن كل صورة في حال ظهوره في كل صورة من غير حلول ولا اتحاد ولا امتزاج وظهر للنصارى مقيدا بالمسيح والرهبان كما أخبر تعالى عنهم في كتابه ولليهود في العزيز والأخبار وللمجوس في النار وللثنوية في النور والظلمة وظهر لكل عبد شيء في ذلك الشيء من حجر وشجر وحيوان ونحو ذلك فما عبد العابدون الصور المقيدة لذاتها ولكن عبدوا ما تجلى لهم من تلك الصورة من صفات الإله الحق تعالى وهو الوجه الذي لكل صورة من الحق تعالى فالمقصود بالعبادة واحد من جميع العابدين. Bon, vous voyez, c'est très fort, puisque il affirme que derrière la recherche religieuse de tous les hommes, il y a la même réalité qui est celle de Dieu. Voilà quelques textes que j'ai retenus concernant l'approche du mystère de Dieu. Et maintenant, des textes concernant la relation au mystère de l'homme. Alors, celui qui, évidemment, est bien connu et qui donne la vraie grandeur de l'homme, c'est le passage où il est dit que l'homme est Khalifatullah. Le Coran dit « Nous avons présenté ce dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes, qui refusèrent de s'en charger. » Seul l'homme l'accepta. Et l'émir commente, le dépôt dont il est question n'est autre que la lieutenance divine. Ce lieutenant était Adam, ou tout au moins ce qu'Adam symbolise, c'est-à-dire la capacité de l'être humain à se revêtir des attributs divins. Il était donc la divinité sous forme humaine, sans qu'il y ait la moindre idée de fusion, d'union, ni de confusion, autant de doctrines que je refuse totalement. Voici comment il dit ces choses en arabe. قال تعالى إن عرضنا الأمانة
على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها. الأمانة هي الخلافة كما هذا من قبل آية قرآنية ثم التفسير للأمير. الأمانة هي الخلافة كما قال إني جاعل في الأرض خليفة، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، ومعناها التحقق بجميع الأسماء الإلهية، فهو الإله. إذن الإنسان هو عليه أن يتحقق بجميع الأسماء الإلهية، فهو الآلة في سورة آدمية من غير خلول ولا اتخاذ وامتزاج، فأنا بريء من ذلك كله. وعرضنا على السماوات والأرض والجبال ليس لحملها بالفعل، لأنها لا استعداد لها لحمل الخلافة، والحمل بغير استعداد محال، ويتعالى الحكيم العليم عن ذلك. ولكن يظهر فضل الإنسان وشرفه حيث أبت السماوات والأرض والجبال حملها. Voilà ce premier thème. Deuxième thème qui peut paraître un peu indiscret par rapport à la toute-puissance de Dieu, mais enfin c'est dans le texte de l'émir. Dans l'éternité, la miséricorde de Dieu pourrait donner son pardon à tout être humain. Dieu dit à la fin, l'émir dit à la fin des fins, et il s'appuie pour cela sur des auteurs de première grandeur de la tradition musulmane, à la fin des fins, Dieu finira par pardonner non seulement à tous les musulmans qui ont vécu dans le péché, mais même aux fidèles des autres traditions. Mais après, dans un autre passage, il dit, je ne peux pas me prononcer parce que ça appartient à Dieu. Mais enfin, il s'est quand même prononcé. Voici ce qu'il dit. Sache donc qu'en définitive, les pécheurs de cette communauté obtiendront le pardon et la félicité tant convoitée et parviendront au but final. Sans doute, nombre d'entre eux ont encore besoin d'une purification finale et d'un passage douloureux. Mais cela n'enlève rien à la rémission qui leur sera finalement consentie. Il est même possible que cette victoire, dont l'issue est un pardon général, soit à entendre dans un sens plus général et qu'elle ait une portée universelle. Dans un sens plus général, une portée universelle, ça veut dire que même ceux qui ne sont pas musulmans pourraient avoir droit à ce pardon. Il ajoute, donc élargissant son point de vue, certaines traditions prophétiques tentent à indiquer qu'en dernier ressort, toutes les créatures seront sauvées du feu. Allahu a'lam. Dans un autre passage, il dit, je ne peux pas me prononcer sur ce sujet parce que ça dépasse notre entendement. Bon. Enfin, je lis quand même le texte. إننا إذا أطلقنا القول بأننا نحن الحق. Non, ça c'est... Bon, enfin, je n'ai pas... Alors, il cite quelques auteurs de la grande tradition musulmane et il dit « Fatakallamu bishumul rahma wa umum sa'ada likullin man dakhla an-nar » كمظهر الصفة العلمية محب الدين الخاتمي وعبد الكريم الجيلي والقطب على الوفاء وأضرابهم رضي الله عنهم. Et il cite même après Ibn Taymiyyah sur ce thème. Le notre sujet qui est sur l'existence humaine, si vous voulez, qui me paraît intéressant. C'est Dieu est la réalité de tout être. Si avec nos sens nous croyons percevoir des formes sensibles qui parlent et agissent de diverses manières, cela est dû au fait que nos sens
ne perçoivent que des formes extérieures, sans percevoir la réalité intérieure. Si nous connaissions la réalité de la chose, nous saurions que les actes, tous les actes, n'appartiennent qu'à cette réalité qui donne au monde sa stature. Autrement dit, c'est Wahdat al-Wujud. Voilà ce qu'il le dit. Innana idha atlaqna al-qawl bi annana nahnu al-haq ta'ala min jihati wujudina fa innahu la wujud lana illa wujuduhu huwa la qadiman wa la hadithan fa nahnu huwa iz nahnu ibaratan an al-wujud ذات ظاهر بأحوال أعياننا ثابتة في العلم أزلا وأبدا فمسمى الممكن المخلوق كان مكان ليس هو إلى الوجود الحق. Donc toute réalité, si on regarde avec des yeux suffisamment clairvoyants, n'est qu'une manifestation de Dieu. Un autre sujet, mais je ne vais pas lire le texte parce que je vais arriver jusqu'au bout de mon... Non, c'est sur la prédestination. Ce qui est intéressant, il dit ceci. Certains s'interrogent sur la prédestination, donc c'est le qadar ou le qadar, et ils pensent que ça nie la liberté de l'homme. Non, parce que ce que Dieu demande à un homme, il le lui demande en fonction de ses prédispositions, en fonction de la forme dans laquelle il a été créé et de ce qui lui a été donné. Autrement dit, Dieu nous prédestine à faire telle chose, mais nous avons été créés pour que cette chose-là soit à notre portée. Bon, c'est, Dieu ne décide pour l'être créé et placé sous sa juridiction que ce qu'exige la nature intime de celui-ci, si bien que les décisions de Dieu à son endroit ne sont rien d'autre que les décisions de la créature elle-même. Bon, comme vous le savez, ça a été le débat entre les Mu'tazila, les Ash'ariya, les Jabarites, etc. Autre sujet qui me paraît intéressant, c'est que dans l'existence spirituelle, il y a des états différents. Il y a des moments où on est dans la consolation, il y a des moments où on est dans la désolation. Voilà ce qu'il écrit. Dieu a dit à plusieurs reprises à propos de nos expériences spirituelles, c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer. Coran 53-43. Tandis que je m'orientais pour évoquer Dieu dans ma retraite, il me ravit hors du monde et de moi-même. Et j'entendis quelqu'un dire, Dieu ne nous fait rire et pleurer en ce monde que pour nous sourire dans le monde ultime. Lorsque je revins à moi, je sus que c'était une consolation et une bonne nouvelle. Les états spirituels de celui qui suit la voie en marche vers Dieu changent continuellement de teinte. Parfois la désolation, parfois la consolation, parfois le rire, parfois les pleurs. Et d'ailleurs, l'émir lui-même, dans une période où il avait vécu davantage de difficultés et qui coïncide avec son pèlerinage à la Mecque, il dit ceci: Dakhaltu marratan khalwa fa indama dakhaltuha inkasarat nafsi wa dhaqat alayya al-arja wa faqadat qalbi wa idha al-ma'rifa nakira wal-uns wahsha wal-mutayaba mushagaba والمسامرة مناكرة فكان نهاري ليلا وليلي ويحا وويلا ومكن الشيطان بالتمريج والتخليط وأي قربة أردتها أبعدت بها فلم يبقى معي من أنواع الصلات إلا الصلاة. Dans cette période de désolation par laquelle il a passé, ma barriya, li illa salat, c'est la prière qui doit le ramener à la paix. Wa fi asna hadha liptila, ra'aytu rasulullah, et après, il a une apparition du prophète. Ensuite, un autre thème
qui pour nous chrétiens est très important, mais que j'étais content de trouver dans les Mawaqif, c'est celui de l'amour de Dieu. Donc vous savez que philosophiquement il y a une discussion que l'émir évoque en disant, comme il n'y a pas de similitude possible entre Dieu et l'être humain, vu la distance qui nous sépare, donc il n'y a pas d'amour possible. Mais dans d'autres passages, il dit que cet amour est possible. Voici ce qu'il écrit. Dieu dit à l'un de ses serviteurs, « Prétendu m'aimer, même s'il en était ainsi, ton amour n'est que la conséquence de celui que j'ai pour toi. Car toi, tu aimes celui qui existe, tandis que moi, je t'ai aimé alors que tu n'existais pas encore. Je te cherche, moi, bien plus que tu ne me cherches. » Un autre texte qui est intéressant à signaler, qui a été d'ailleurs signalé par tous ceux qui ont étudié l'œuvre de l'émir, c'est la place particulière de la condition féminine de l'humanité. Voici ce qu'il écrit, « La femme en tant que telle est la manifestation du degré de la réceptivité. Or ce degré est d'un rang admirable et excellent, car n'était la féminité, c'est-à-dire le degré de la réceptivité de l'acte, ici du degré de la fonction de la divinité, les noms divins seraient restés sans effet. » Devant Dieu, nous sommes dans une attitude de réceptivité pour recevoir le don qu'il nous fait, et la femme est plus préparée, dit l'émir, à être dans cette attitude qui spirituellement est nécessaire. Dernier texte que j'avais noté, c'est sur l'Insan al-Kamil, et pour moi c'est très important parce que cette description de l'Insan al-Kamil décrit le prophète avec des termes qui finalement conduisent à des paroles que Jésus a dites lui-même. Autrement dit, souligne l'identité des messagers de Dieu devant Dieu. Voici ce qu'il dit. « قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذه الآية الكريمة تلقيتها تلقيا غيبيا روحانيا فإن الله تعالى قد عودني أنه مهما أراد أن يأمرني etc. Bon. Alors, ensuite il dit ceci. Non, ben je le dis en français. Parce que voici ce qu'il dit. Cela peut s'entendre. Donc vous avez dans l'envoyé de Dieu un modèle excellent. Cela peut s'entendre du comportement du prophète envers les créatures, de l'amour qu'il leur porte, du bien qu'il a voulu pour elles. Il voyait en elles la face de Dieu. Donc ça c'est le propre d'un regard spirituel sur l'humanité qui nous fait voir la face de Dieu derrière chaque être humain. Les hommes l'ont traité injustement, il a pardonné. Ils lui ont refusé et il leur a donné. Ils l'ont méconnu et il a enduré leur ignorance. Ils l'ont exclu et il les a rassemblés. Il a dit, « Ô mon Dieu, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors ça, c'est une phrase qui se trouve aussi dans l'Évangile. « Au mal, il a répondu par le bien, aux offenses par les bontés, se revêtant des caractères divins et réalisant les noms divins de miséricorde. » Voilà à quoi chaque être humain est appelé, à se revêtir des caractères divins, des divins, « Tachallaqa bi akhlaqillah » et réalisant les noms divins de miséricorde. En conclusion, voilà quelques-uns des thèmes que j'ai retenus en lisant le Mawaqif de l'émir. J'avais eu l'occasion de trouver chez Jacques Chevalier le livre qu'on appelle Surah Zatia, qui a été écrit par Mustapha Ben Touhami, mais recopié partiellement par l'émir. Et dans ce livre, il y a une réflexion de l'émir sur la relation islamo-chrétienne que j'avais publiée dans une revue, etc. Mais quand on arrive au Mawaqif, on voit l'approfondissement de sa méditation
incontestablement entre ce livre écrit à Amboise en 1949 et puis 1849 et puis les Mawaqif qui sont un enseignement oral depuis 1860 jusqu'à 1882, mis après par écrit par ses auditeurs, il y a un approfondissement de cette réflexion. Cet approfondissement, il a dû se produire tout au long de sa vie, puisque, comme on le sait, dès son arrivée à Damas, il veut se mettre près du tombeau d'Ibn Arabi, qu'il considère comme son maître. On lui donne comme maison l'ancienne maison d'Ibn Arabi, et il envoie un de ses collaborateurs à Kounia pour chercher le Futuhat al-Mekkiya. Autrement dit, dès son arrivée à Damas, il se veut déjà un disciple d'Ibn Arabi. Mais c'est son enseignement qui va s'approfondir pendant toutes ces années. Or, cet enseignement n'aurait pas pu s'approfondir si la formation qu'il avait reçue à la Guetna, au-delà de Oued el-Hammam, dans sa jeunesse, et puis ensuite à Arze, et puis ensuite au cours de son pèlerinage avec son père, ne lui avait pas donné des bases qui lui permettent de découvrir, et ensuite dans la tradition Qadiriya, lui permettent de découvrir la profondeur du mystère de Dieu et du mystère de l'homme. Et c'est vraiment la grandeur de ce livre des Mawaqif que de nous donner au XIXe siècle une relecture d'Ibn Arabi qui est appliquée par un homme qui, dans le même temps, s'occupe de faire creuser, de soutenir le creusement du canal de Suez et qui donc est aussi conscient de la nécessité d'un approfondissement spirituel de chaque existence que de la nécessité de construire une cité pour tous. Merci de votre attention.